m'appelle Nada Bakas, j'ai 10 ans et je fais de la flûte traversière avec Demos. Je m'appelle Madina, j'ai 8 ans et je fais de la trompette. Je m'appelle Nafissa, j'ai 10 ans et je fais de l'alto. Je m'appelle Lina, j'ai 8 ans, je fais du violon. C'est une des meilleures activités que j'aime. Pour moi, Demos, c'est pour les enfants qui veulent pratiquer de la musique et qui n'en ont jamais fait. Ils choisissent un instrument et ils en font pendant 3 ans. Et s'ils veulent continuer cet instrument, et ben après ils le gardent. Quand c'était ma première journée, ils m'ont donné la clarinette. Et j'arrivais pas à souffler, c'était un petit peu dur. Mais maintenant j'ai progressé. Je mets ma lèvre et je mets mes doigts ici. Et après je commence à souffler et je sors des notes. Aujourd'hui on est à 50 ans en Yvelines. Et c'est le premier outil de la deuxième année de Demos. Ça veut dire quoi, ça? On se rassemble pour jouer ensemble, répéter nos parties ensemble. Il y aura les violons, les altos, il y a de tous les groupes, il y aura les vents, les cordes. Ils aiment bien ce fait de travailler en groupe et pas chacun dans son coin. J'aime beaucoup car on est plusieurs et on peut tous partager ce qu'on connaît. La première année, on ne savait pas lire les partitions. Du coup, grâce à Sulky, elle nous a appris les partitions. Et on apprend plein de langues étrangères qu'on ne savait pas. La contrebasse fait presque partie de ma famille. Quand je la ramène à la maison, je montre à mes parents, mes frères et sœurs, mon oncle, ce qu'on a appris dans la journée. J'aime bien Demos, c'est de la musique, on fait des sorties, des ateliers. Pour moi, c'est important de pouvoir s'ouvrir au monde extérieur, s'ouvrir avec la culture, voir plus de spectacles, rencontrer plus de personnes pour savoir qu'il n'y a pas que la petite ville ou le petit quartier. Ce qui me rend le plus heureux, c'est de chanter, m'amuser, danser. Grâce à Demos, maintenant j'aime bien faire la clarinette. Et maintenant la clarinette, ça me rend heureux et bien joyeuse. Parfois, quand c'est la fin de l'année, je suis triste. Quand je fais de l'alto, en fait, ça me libère de ma tristesse et puis ça me rend plus joyeuse. Ça me rend heureuse, ça me fait du bien. Ça me rend joyeuse. C'est quand je joue, je sens que c'est magique.